Ok. On a redécouvert une faille sous la statue. Donc là, du coup, ça va être celui-là qui... où on va aller chercher son essence, je pense. Crypte des Phaïstos. C'est bien plus que froid. Oh pardon, c'est ma nouvelle eau de toilette. Ça vient de Borée, vent du nord. Je le connais, c'est un cousin. Ah, et il ne t'en a pas donné. Vent du nord. Alors, ouais, c'est ça. Un niveau 3, il faut prendre l'essence. Donc normalement, il y a plusieurs coffres. Allez. Merci. Ouais, c'est ça, ça va être en quatre parties. Ouf. Bon, qu'est-ce qui nous attend? L'air se déplace étrangement. Je me demande si je pourrais m'en servir pour me déplacer. Ah, ok. Je dirais que je peux modifier le sens du vent. Ouais, et après, ah, par là. Par là. Ah non, là c'est... Non, là c'est le début. J'ai peur. Le vent est dans la bonne direction. Bon, on y va. Changer. Ah. Je serai le fils dont tu rêves. Vu que le vent est par là, je ne peux pas prendre ma boule, c'est ça? Il faut en faire quoi de ça? Descendre. Ah, c'est une grosse boule que je mets ici.
que... De même que tu avais rassemblé les malheurs du monde pour en faire cadeau à l'humanité, Phénix enferma les tourments d'Héphaïstos dans la boîte de Pandore. Toutes ses souffrances, toutes ses inspirations torturées. Qu'est-ce que tu veux? Le petit est un artiste. De cette façon, émergeait la malveillance infligée à Héphaïstos. Sacré boîte que tu gardes sous ta jupe. Tu parles, Héphaïstos a eu la vie facile. Oui. Tu l'as jeté de l'Olympe. Sa mère l'a rejeté. Les dieux se sont moqués de lui. Personne ne l'invitait jamais à dîner, ou alors, au mieux, on le décommandait à la dernière minute. Ça arrive, Prométhée. Papa est occupé. Ah, ici, d'accord. Ok. De son troisième, c'est bien ça. Donc celui-là de 156 c'est en hauteur. On verra plus tard. Je fasse quoi maintenant? Ah d'accord, il va falloir que je ramène à chaque fois un caillou en fait. Je pense que ça va être ça. Mais tout ce caillou. Oublie ta quête. Marche sans fardeau. Ça là que je fais ça que je change le vent ils veulent pas. Du coup, il va falloir que je recommence. Ça, c'est pénible. Comme ça. Faire dans l'autre sens. Le vent est par là. Hop. Voilà. Logiquement, tout est bon.
attention au vent. Aïe, 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 aïe. Bah oui, je ne souvenais plus le vent. Alors, maintenant on fait attention au vent, faut pas voler, faut juste sauter. Voilà, là il n'y a pas de danger. Ensuite, ah, il y a un coffre ici. Que Typhon nous emporte. Défait les cruautés que nous avons commises. Et de deux coffres. Le vent est dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, celui-là. On le prend pour le positionner ici. Ah non. Problème avec celui-là de là-bas. Après ça, je peux lui mettre une... C'est pas grave, ça. Hop. Logiquement, je prends celle-là. Je peux la mettre là. C'est bon, heureusement que j'ai ma statue. Sinon, je me serais encore plus pris la tête. Et elle ne me consumera pas. Oh, oh, oh. Suppose. Ok. Et qu'il va falloir faire bouger. Ah.
Le vent, il est dans quel sens? Il est dans le bon sens. Voilà. Allez. Le vent est toujours dans le bon sens, donc il faut rouvrir pour que ça aille là. C'est pas ça qui monte. J'ai pas envie de m'embêter avec le vent. Ah. Faut que je le ramène par là. Celui-là. Donc du coup, le vent dans l'autre sens. Et pourquoi il avance plus? Voilà. Parfait. Maintenant, celle-là, j'en fasse quoi? Stéropès, Brontès, vous aviez ma confiance. Ok. Du coup, on la met là-dedans. Raté. Et de deux. Là, c'est certain. La plus sombre émotion des Vaistos fut de nouveau enfermée dans la boîte de Pandore. La Zizanie. Sa femme ne l'aime pas et il a été condamné à des années d'exil. Mais bon, ça pourrait être pire. Ma femme à moi, c'est Hera. Là, on peut pas aller chercher. Bon.
même là. Ouais, celle-là, elle n'a pas été faite. Prends mon passé. Libère-moi. Oh. Le vent, il est où? Il est pas dans le bon sens. Quelque part, mais où? Et après, c'est là-bas. Bon, on va essayer. Le vent, il est dans le bon sens. Regarde quoi par là, toi? Il n'y a rien. Là, on est arrivé là. Après, il faut aller où? Retourner là-bas au fond? Ben, dis donc. Ça passe. Alors, où va être ce coffre? 41 mètres, c'est encore plus haut. Yeah.
Le vent était contre moi, j'ai eu de la chance. Comme par hasard, le coffre est plus bas. Et laisse-moi tranquille. Voilà. Ambrosie, nous sommes. Voilà, maintenant. On remonte. Voilà. 197, c'est là-bas qu'il faut aller. Waouh, va falloir. Va falloir arriver à passer entre les trucs rouges là. Ça passe, ça a l'air, oui, c'est bon. C'est passé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Je pense qu'il faut tourner le vent, déjà. Ça. Je serai toujours le dieu boiteux. En train de descendre, ok. Ah ben on arrive à la fin. Là, voilà. Le désespoir émergea de la flamme illuminée et Phénix le replaça rapidement dans la boîte de Pandore. Les forges sont allumées. L'air devrait être assez puissant pour me soulever. Regardez Phaistos. Quand on est comme lui, on se contente de ce qu'on a. C'est lui qui a pris Hera en otage pour exiger la main d'Aphrodite. Mais je savais qu'elle ne le toucherait jamais. Du coup, elle serait en sûreté et indisponible. L'idéal. C'est lui qui a cherché le désespoir. Il l'a eu. Son fardeau était lourd, comme l'inquiétude de Phénix. En retrouvant ses sombres souvenirs et en les rapportant à Héphaïstos, le condamnait-elle à souffrir? La question la hanta tout au long de sa quête. Mère! Père! Arrêtez! Je me tiendrai mieux, je le promets! Déjà, voilà le coffre. Ah.
Enfin, il va avoir un temps. À tous les coups, il va avoir un temps pour pouvoir activer tout ça. Là et là l'ouverture. Oh d'accord, c'est mieux quand on passe par le haut et ça suffit. Voilà, je t'en prie Aphrodite, parle-moi. On y arrive. Oups. Oh. C'est bon. Non mais... Polyphème enragé, vaincu. Ah, la fin, par là. Le vent... Est-ce qu'il fait froid d'un seul coup ? Je me sens presque triste. On voit pas si le vent est dans le bon sens. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autres coffres. Bon, je pense pas, vu qu'on en a eu 4. Et voici. La vengeance bouillonnait, à l'instar de la rage qui l'accompagnait. Tu vois, à chaque méfait que tu lui as imposé, Héphaïstos a laissé brûler sa rage et l'a métamorphosé en bienfait, ses nombreuses créations. La vie promettait d'être difficile pour le petit. J'essayais un peu de l'endurcir. Ne me rendais pas compte du mal que je lui faisais. Malveillance, zizanie, désespoir et vengeance fusionnèrent pour reconstituer l'essence jadis prisonnière. Acquisition essence d'Héphaïstos.
Héphaïstos, je suis de retour. Et j'ai ton essence. Héphaïstos ? Phénix espérait qu'Héphaïstos était à la halle des dieux.